Et salut Vendafrune! Salut tout le monde! Donc ce soir je propose. Ah! Que je les mette ailleurs. Je propose qu'on revienne un petit peu sur le pendule. Avant de tirer les cartes. Ou vu que tu es l'un des premiers, on va te laisser choisir. Est-ce que tu préfères qu'on commence par les cartes, qu'on fasse du pendule? Allez, coucou Monkey! Du jet alors. Donc pour le pendu, bah j'ai repris mon tote, le petit pendule en lapis lazuli, fabriqué à l'arrache avec un pendentif, et je vais m'en refabriquer un autre à l'arrache avec une bague. On va voir la différence. C'est pas avec celle-là. Salut Princesse Biscotte. La corde. La chérie, elle a rangé ses cordes, il n'y a plus de cordes, comment on fait? Non, ben on va voir ça avec les pendules classiques alors du coup. Tant pis. Mais je vous invite à l'essayer avec une bague de votre côté. Coucou essai, coucou tout le monde. Bienvenue à tous. Comme je disais, ce soir, on va voir pendule. Je vais utiliser plutôt l'autre. Parce qu'on utilisait beaucoup le tote la dernière fois. Parce que ce qu'on a vu avec le pendule, c'est les cadrans. On n'a plus beaucoup de oui-non de manière classique. Et on peut tenter, pourquoi pas, un petit peu de communication pour être sympa. Je sais qu'il y a du monde, donc autant en profiter. Peut-être mieux le raccrocher, par contre. Parce que là, il part en cacahuète. On va refaire le nœud. Nœud classique, hein. Prenez pas la tête, l'idée c'est que la pointe tombe au centre. Et l'avantage d'un pendule, c'est que la pointe tombera toujours au centre. Pour peu qu'il y ait une pointe sur votre pendule. Donc, quand vous utilisez des pendules en pierre, vérifiez bien, surtout si vous avez de la corde naturelle comme celle ici présente, qu'il soit bien noué, parce que des fois le nœud il se défait, et si votre pierre elle s'éclate sur le sol, bah, vous n'avez plus de pendule. Voilà. Et ça c'est un peu relou. Bonsoir Sienna, bonsoir tout le monde. Oui c'est bien ça, Fatin. Oui, c'est bien ça. Donc, petit rappel pour le pendule. L'utilisation, c'est pas compliqué. On lui demande de nous faire un oui. Pour un oui. On lui demande de nous faire un non. Il fait de simples allers-retours pour le non. On lui demande éventuellement un peut-être. C'est toujours la même convention pour moi, c'est-à-dire que le peut-être, c'est un demi-cercle et il revient tout droit. Donc ça, n'hésitez pas à redemander à chaque fois que vous allez utiliser votre pendule le oui, le non, le peut-être. Si vous n'utilisez pas de cadran en tout cas. Une chaîne avec un pendentif très très sentimental, c'est génial. Et j'irais même plus loin dans le sens où plus ton pendule va avoir un aspect sentimental pour toi, plus il sera pertinent. Alors je tiens quand même à m'excuser, je risque d'avoir des petits problèmes de blablatage. Je viens de prendre un médoc et j'ai la bouche un petit peu pâteuse. Donc ça risque de s'entendre, je risque de bafouiller un petit peu et d'articuler mal. Donc n'hésitez pas à me demander de répéter si nécessaire. Voilà. Et si j'ai l'air d'être un petit peu dans le gaz, c'est pareil, on s'inquiète pas. C'est entièrement normal. Normalement, ça devrait aller quand même. Juste rebrancher... brancher le micro, vous m'entendrez certainement mieux. Toc. Et toc. Là, normalement, on est bon. Dégager les cheveux, on va peut-être le mettre dans l'autre sens. Hein? Comme ça, normalement, vous m'entendez mieux. La matière importante. Alors, je vous conseillerais de tester plusieurs pendules, plusieurs matières pour le coup, parce que certains vont réagir mieux avec certaines matières que d'autres. Par exemple, moi, un pendule en bois marche pas.
Il me faut un pendule en pierre. Pour le coup, j'ai jamais compris pourquoi mes pendules en bois ne réagissent pas. J'aime bien les pendules très lourds. Ça évite de les influencer, du moins on peut les influencer, mais beaucoup moins facilement. Certains vont préférer les pendules en cuivre, en laiton. La matière va avoir une importance plutôt si on veut faire de la radiesthésie, si on veut aller pratiquer des soins ou ce genre de choses. Là, il faudra soit aller chercher un pendule, soit émetteur, soit un pendule récepteur, ou éventuellement un pendule comme celui-ci, type TOT, qui est capable de faire les deux. On va avoir également des pendules à chambre. Les pendules à chambre, c'est des pendules qui se dévissent avec un petit espace à l'intérieur pour y mettre soit des ingrédients, soit des témoins. En général, on y mettra des témoins pour faire de la recherche. Donc, recherche de personnes, recherche d'objets, etc. Toi, tu ressens mieux avec le bois, même. CQFD. Maintenant, ce que je pourrais conseiller, quoi qu'il arrive, c'est une matière qui vous parle, une matière que vous ressentez un minimum. Donc toi, si c'est une chaîne en or, bah, l'or, c'est le métal divin par excellence. Quand on utilise l'or, en général, c'est pour les anges, les archanges, le céleste, vraiment. Contrairement à l'argent qui sera plus destiné à des créatures un peu moins pures, je dirais. Oh, merci pour l'abonnement, Monkey! Et le pendentif, c'est lui qui te l'a offert en or aussi. D'accord. Donc toi, pour le coup, avec un full or comme ça, alors, je pense que tu n'auras pas trop de difficultés à avoir des messages. Et tu pourrais même tenter la communication avec les entités qu'on va appeler vulgairement anges gardiens, guides, etc. Ça pourrait être assez intéressant. L'autre avantage que tu as avec un full or, c'est que tu es quasiment certaine qu'aucune entité dite négative puisse l'influencer et puisse répondre des bêtises aux questions. Chose à savoir. C'est mieux ici sur tes deux écrans que sur TikTok sur ton phone. Bah, tu sais que tu peux regarder TikTok aussi sur ton PC, hein. Pour le coup. Le bois, on serait plus là clairement sur les énergies de la nature. Donc pour la communication, par exemple en forêt avec les fées, les êtres de la nature de ce type, les pendules en bois seront beaucoup plus pertinents. Mais là, pour le coup, la différence entre bois, pierre, on est vraiment sur une affinité personnelle plus qu'autre chose. C'est principalement avec les métaux où il faudra faire attention à certains détails, comme là, bah, par exemple, si tu veux communiquer avec un démon, tu prends pas un pendule en or. Voilà. Tu dis bien que tu n'appelles personne. Alors, c'est pas forcément le bon réflexe à avoir. Le mieux, c'est de n'appeler personne. Parce que si tu précises que tu n'appelles personne, tu t'adresses à eux. Donc, tu les appelles. C'est le même principe que si je te dis pense pas à un éléphant, bah, le premier truc auquel tu vas penser, c'est un éléphant. Et quand tu dis je n'appelle personne, le premier truc auquel tu penses, c'est aux personnes qui pourraient venir spontanément, tu t'adresses à eux. Donc pour peu que tu y mettes vraiment l'intention, bah, tu les ramènes. Donc c'est contre-productif. Vaut mieux prendre son pendule et juste poser la question plutôt que de préciser que tu n'appelles personne. Et si l'entité te dit qu'elle s'appelle personne, bah, t'es dans la merde. Et coucou à tous ceux qui nous ont rejoints entre deux. Donc pour ceux qui sont arrivés entre deux, je le rappelle, quand vous voulez utiliser un pendule, le premier truc à savoir, c'est sa convention, du moins la vôtre. En règle générale, enfin en tout cas pour ma part, les conventions ne changent pas quel que soit le pendule. C'est-à-dire que ce sera toujours un tour pour un oui, des allers-retours pour un non, et le peut-être, ça fera un arc de cercle et ça reviendra droit. On va vous le montrer. On va lui demander un oui. On va le stabiliser quand même un petit peu. On va me dire que je triche. Donc on va lui demander un oui. Le temps qu'il se lance. Voilà, ça tourne. On va lui demander un non. Les allers-retours et on lui demande un peut-être. Il fait un arc de cercle et il revient droit. Donc là, je vous montre avec le bras tendu, mais ce que je vous conseille de faire si vous débutez avec le pendule, c'est de poser au minimum le coude sur votre genou ou sur un support, de manière à avoir moins de micro-mouvements qui pourraient l'influencer. Encore une fois, les micro-mouvements, c'est quelque chose à prendre en compte quand on utilise le pendule. On ne peut pas rester vraiment fixe ou statique, ou à ce moment-là, il faut accrocher le pendule à un support.
Et bonsoir, Unmappy World. Ah oui, non, la princesse biscotte, pour le coup, c'est vraiment contre-productif de préciser que tu veux pas qu'il vienne. Au contraire, tu pourrais même, ça pourrait même être pris comme un défi, au point où certains se ramèneraient juste parce que tu as dit que tu voulais pas qu'il vienne. C'est un peu capillotracté dans le sens où tu as peu de chances que ça arrive quand même, mais vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Eh bien, ce que je propose, Wonky, c'est qu'on fasse le test. Toujours le même pendule. Hein. Et je vais l'accrocher ici. Alors, je vais essayer de ne pas faire de nœud parce que si je veux le décrocher, ça va être plus compliqué. Mais normalement, en faisant quelques tours, ça devrait tenir. Là, on va le repasser comme ça dans la boucle. Hop. Voilà. Là, techniquement, on est bon. Donc, si je mets ça. Hop. Ah, zut. Ça n'a pas marché comme je voulais. Non, ça n'a pas marché comme je voulais. Il va falloir que je mette ça autrement. Donc c'est un support qui ne bouge pas plus que ça. Hop, on va retourner la caméra. Et normalement, là, vous avez le pendule. Faudrait qu'il focus là, ça serait bien. Non, focus sur le pendule. Comment qu'on peut faire pour qu'il focus sur le pendule? On va virer les trucs qu'il y a derrière. Peut-être que ça va l'aider. Voilà. C'est un petit peu flou, mais ça devrait suffire pour avoir des réponses. Donc on va attendre qu'il se stabilise et puis on va commencer à poser nos questions. Et c'est là où vous allez voir que bah, il n'y a pas que nous dans le pendule. Alors je remonte juste un petit peu pour lire les messages. Eh ben, tu vas voir de Frune, les grands esprits se rencontrent. J'ai pas vu ton message. Ben ouais, même en mettant ma main derrière, tu vois, ça. Il focus encore sur la pochette, quoi. Enfin, sur le classeur. Et si je le renverse, ça risque de l'abîmer. Ça me ferait un petit peu suer. Bon, peut-être essayer de l'aider à arrêter de bouger. Je sais pas comment faire pour qu'il arrête de bouger, donc je vous propose de papoter en attendant. Non, tu vois, ça le refloute quasiment instantanément. Par contre, ce qui est drôle aussi à faire, c'est que normalement, vous pouvez. Accélérer les mouvements ou le diriger. Petit peu de télékinésie. Hein. Un petit exercice qui est sympa à faire. Bon, vous n'allez jamais le faire voler, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça change des petites feuilles sur les cure-dents. Et c'est un bon moyen d'ailleurs de savoir si le pendule vous répond quand vous êtes en magasin, qui sont tous comme ça sur le présentoir. Placez votre main en dessous et essayez tout simplement de voir si vous arrivez à l'accrocher avec vos énergies.
Vous allez le voir plus ou moins réagir en fonction de bah, si vos énergies sont compatibles ou non. Le tien, quand tu l'utilises, tu as l'impression qu'il tremble en même temps qu'il répond. Est-ce que c'est toi qui tremble pas un petit peu aussi? Ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est que bah, tu ne sois pas toute seule à répondre aux questions avec le pendule. Donc là, il a arrêté de bouger, il est assez stable, je pense qu'on peut commencer à poser les questions. Donc on va lui demander s'il peut nous donner un oui. Est-ce que tu peux nous donner un oui? Donc c'est beaucoup plus timide. Là, par contre, le oui, il a l'air de faire des allers-retours. Et si on allait chercher le non? Ouais, c'est beaucoup plus timide, hein. Et coucou ma chérie! Dans ces cas-là, oui, c'est peut-être que juste s'il prend un petit peu trop, plus tes énergies que ce qui est prévu. Mais l'important, c'est qu'il te réponde correctement, avant toute chose. Donc là, ne le faites pas chez vous, mais on va faire le test ici. Voilà, on va bien voir s'il y a une entité, comme avec la flamme l'autre jour, qui est apte et disposée à nous répondre. Donc les entités qui sont là présentes avec moi, défunt, esprit et qui voudra, n'hésitez pas à utiliser le pendule pour répondre à nos questions. Et on va demander, dans un premier temps, est-ce qu'il y a bien quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas à bouger ce pendule. Et comme avec la flamme l'autre jour, ça n'a pas l'air d'être décidé. C'est possible, c'est qu'il y a trop plein d'énergie, mais c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Non, je n'ai pas allumé de bougie. Mais c'est pas con. Ils ne vont pas dépenser de l'énergie s'ils ne peuvent pas en puiser non plus. C'est un peu logique. Donc je reviens le temps de décrocher le micro. Et on va faire ça tout de suite. Peut-être balancer une vraie invocation, ça sera peut-être un peu plus pertinent aussi. Petite bougie. Et du coup, ce que je vais faire, le temps de faire la petite invoque quand même, pour respecter un petit peu la magie, je vais passer le live en pause pendant quelques secondes. À tout de suite!
Et re. Je vais décaler un petit peu la bougie. On la voit dans le fond. Et puis du coup, ça a aidé à focus sur le pendule. Bah nickel. Donc on va recommencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment? N'hésitez pas à bouger le pendule pour répondre. S'il vous plaît, ça serait cool. J'ai l'impression que ça bouge un peu, mais je suis pas sûr que ce soit. Enfin, c'est pas assez gros de toute façon comme mouvement pour être réellement pris en compte. Et salut Perlita! On fait des expériences avec le pendule. Il est accroché à un support et on essaye de voir si un esprit est capable de répondre sans le manipuler. Alors moi pour ma part, je sais que c'est possible parce que je l'ai déjà vu bouger comme ça, accroché à un support. Maintenant, est-ce que devant une caméra et sur un live Twitch, et est-ce que la fois où ça a bougé, il n'y a pas eu un autre élément qui est à prendre en compte, comme un insecte par exemple, une mouche qui serait posée sur la corde sans que je le voie ou autre? Une grande question. Qu'est-ce qu'il y a un esprit avec nous ici présent? Est-ce qu'un esprit avec nous ici présent est apte à répondre et à bouger le pendule? J'ai pas l'impression pour le coup. Est-ce que nos anges gardiens peuvent nous parler grâce au pendule? Alors, ce qu'on appelle les anges gardiens, les guides, les totems, etc., oui, ils peuvent te parler à travers le pendule. Maintenant, là, c'est dommage, je voulais vous montrer quelque chose, mais ça n'a pas l'air de prendre ce soir. Donc, je vais en utiliser un autre que j'ai ici. Décaler la bougie de l'autre côté plutôt. Hop. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mon tote. Qui est ici? Donc par exemple, bah, de la même manière, je lui demande un oui. Je lui demande un non. Et un peut-être. Donc, il n'y a pas de problème, je devrais pouvoir avoir des réponses. Et en attendant, on verra bien si le lapis commence à bouger tout seul. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser au pendule, du coup? Peut-être le mettre derrière, puis comme ça me permettra de poser ma main. Ah oui, mais non, si je pose ma main sur le support, le lapis il va bouger, ça va être pas la bonne idée. Donc on va faire comme ça. Peut-être décaler un petit peu, hop, le téléphone. Quel type de question on pourrait poser au pendule? Est-ce qu'il fera beau demain? A priori, il fera beau demain. Est-ce que le zèbre est un gardien avec toi? Est-ce que le zèbre est un gardien pour Draka? Ça serait plutôt un non, Draka, pour le coup. Est-ce que Draka doit vraiment prendre en considération ce zèbre et chercher une signification? Donc a priori, oui, il y a quand même une signification et un message à comprendre.
Est-ce que Anne-Laure a un don? On part sur un non. Par contre, je vais reposer la question. Est-ce que Anne-Laure a des capacités et des prédispositions à utiliser ses capacités? Et là, on est sur un oui. D'où l'importance de bien choisir ses mots quand on pose des questions au pendule. Le lapis ne bouge toujours pas. Pour Sienna, est-ce que J et L jouent avec elle ou est-ce qu'ils sont sincères? Donc, est-ce qu'il joue avec Sienna? Est-ce que J et L jouent avec Sienna? On a un peut-être, donc on va peut-être préciser un peu plus. Est-ce que J est sincère avec Sienna? Donc là, je partirais sur un oui. Est-ce que elle est sincère avec Sienna? Donc a priori, il y en a un qui est sincère, J serait sincère et elle serait plus léger, je dirais. La formulation est très importante, surtout avec le pendu. Pour Océ, est-ce que ta nona te guide? Donc, est-ce que la nona d'Océ la guide? C'est un gros oui, Océ. Bah, c'est le but. De ces lives, c'est aussi d'expérimenter, d'apprendre. Donc n'hésitez pas à sortir votre pendule et à poser les questions aussi, voir si vous avez des réponses cohérentes. Si on a les mêmes réponses. Est-ce que le fait que World of Ruin est investi pour faire des pendules et des chapelets en pierre va faire démarrer plus facilement son entreprise? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose à l'entreprise de World of Ruin? Non. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui. Donc oui, World of Ruin, il faut que tu le fasses, mais a priori, bon, c'est juste un plus qui va augmenter un petit peu ce que tu vas proposer via ton entreprise. Est-ce que Chéri est fidèle? Est-ce que le chéri de Princesse Biscotte est fidèle? Oui. Quand il dit non, est-ce qu'il le pense? Non. Donc oui, il va te dire oui pour t'embêter, mais concrètement, non, il est clairement fidèle. Hein. L'effet meringue. Mais c'est cool les meringues. Et avec le pendule en lapis, est-ce que une réaction, rien, peut-être, si.
Non. Non. Bah, je suis désolé, l'expérience avec le lapis, ça va pas marcher tip top. C'est pas grave, on va le ressortir et puis du coup. On retentera l'expérience, je retenterai l'expérience parce que moi c'est le genre d'expérience qui m'amuse. En attendant, les esprits peuvent se nourrir et nous, on va se retrouver. Ça, vous verrez que je bouge pas la main, ça sera plus simple aussi. Je crois que tu es la seule personne qui espérait un non à ce genre de questions, Princesse Biscotte. Donc, on va reposer la question avec celui-là. Est-ce que le chéri de Princesse Biscotte est fidèle? C'est un oui, hein. Il n'y a pas trop de doute, hein. Est-ce qu'on est dans l'effet meringue? Oui, est-ce que OC peut commencer à travailler avec les êtres de la nature? Ah, ça serait plutôt un non aussi. Ça m'étonne ça. Attends. Je vais voir du coup. Il y a peut-être un cadran qui pourrait nous aider à diriger cette question-là. Cadran, alphabet, mesure, pourcentage, conditionnement. Il n'y a pas de cadran avec les entités? Va falloir qu'on en trouve un hein, du coup. Bon, je sais pas comment on pourra l'imprimer. Gardien des lieux, si peut-être. Gardien des lieux 44, 44, 44, 44. 42, 43, 44. Ah non, c'est pour l'offrande au gardien des lieux. On va faire ça à l'ancienne. Est-ce que OC peut. Alors, vous voyez, comme je vous l'ai montré l'autre jour, hein, c'est pas gênant. Si le pendule est déjà lancé, normalement il va se stabiliser et il va répondre. Donc est-ce que OC a mieux à faire que de travailler avec les êtres de la nature? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'autres entités? Peut-être, a priori. Est-ce qu'OC sera amené à travailler un jour avec les êtres de la nature? Non. Est-ce qu'OC sera amené un jour à travailler avec une autre entité? Un autre type d'entité? Ça part sur un oui directement. Je pense que oui, il faut peut-être que tu réfléchisses un petit peu plus à tes affinités, OC, pour le coup. Est-ce que l'homme d'origine chinoise que tu as vu dans un rêve était juste un rêve? Je vais prendre le top. Il n'est pas assez long. Vous voyez, celui-là, il est trop long à se mettre en place. Avec le top, ça ira beaucoup plus vite. Est-ce que l'homme chinois dans le rêve de Draka, c'était juste un rêve? Désolé, Draka. Est-ce que le zèbre, c'était juste un rêve? Non. Donc, faut que tu focuses plus le zèbre que l'homme. Le vieux tonton chinois. Est-ce que World of Ruin trouvera un jour son initiateur au chamanisme? Oui. Est-ce que ce jour va arriver rapidement? Est-ce que ce jour arrivera dans les prochaines années? Non. Sous 10 ans?
Tu le trouveras dans les 10 prochaines années à peu près, World of Ruin. Voilà, bah, les grands esprits se rencontrent encore une fois. Donc, est-ce qu'il y avait une part de vérité dans le rêve d'Océ? A priori, ça répond non, Océ. Est-ce qu'il tient vraiment à toi, Sienne? On est clairement sur un oui. Est-ce qu'il ne tient pas à toi? Ouais, on est sur un oui, il tient à toi. Et n'hésitez pas aussi, quand vous utilisez le pendule comme là, à reposer la question inverse pour voir si la réponse est bien inverse. Parce que si vous avez un oui dans les deux sens, c'est que vous avez chié quelque part. C'est des petits tips qui sont intéressants à utiliser avec le pendule. Quelle question d'autres on pourrait poser? Est-ce que Draka a le Covid? Non. Est-ce que c'est une grippe? Oui. Tant mieux dans un sens. En noix de Grenoble. Je la connaissais, Basel. Oui, pour grippe aussi, pour Anne-Laure. Ça marche, bon appétit. Ben, ma chérie, il va falloir que tu prennes soin de toi. Et la pauvre, elle est en PLS depuis hier. Les noix de Grenoble, elles coûtent cher. D'accord. J'étais pas au courant du tout, pour le coup. Faut que tu appelles un. Je pense que oui, de toute façon, il va falloir que tu appelles quelqu'un de toute façon pour faire le test Covid, comme il t'a bien dit. Il a toujours les mêmes résultats que moi. Bah, c'est que tu le gères bien, ton pendule. Alors, ce qui peut être intéressant pour toi, du coup, Anne-Laure. Et ça peut être intéressant pour tout le monde. On va retourner tout coup tout touc. Voilà, c'est ce genre de cadran. Ce qu'on appelle les cadrans de Bovis. On va retourner. Hop. Le temps d'installer ça quand même un minimum. Voilà, hop, on retourne. Pouf et pouf. Ah, c'était Maxime qui a les mêmes résultats. Bah, c'est cool si vous avez tous les deux les mêmes résultats. Bah, de toute façon, Maxime, ça m'étonne. Un petit peu moins que toi, quand même, pour le coup. Parce que oui. Je pense qu'il développera certainement ses. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que sans y croire, il développera les capacités plus rapidement que toi, à mon avis, Anne-Laure. Tu veux savoir quoi?
Pourquoi je dis ça ou pour le cadran de Bovis? Mais justement, parce qu'il cherche l'explication scientifique, il y a moins son mental qui lui dit que ça doit marcher. Du coup, il se bloque moins. Alors que toi, t'as envie que ça fonctionne, donc tu connectes beaucoup plus le mental quand tu vas l'utiliser. Et la plupart du temps, je suis persuadé qu'un scientifique qui laisse la porte ouverte à toutes les possibilités, qui le fait sans attente au final, aura certainement de meilleurs résultats que quelqu'un qui met toute la bonne volonté du monde avec beaucoup d'attente. Sur le cadran, c'est juste ici, là, tout autour, c'est juste des numéros pour quantifier un petit peu ton énergie. Donc tu vas avoir ici, là, dans les énergies les plus basses, en gros, le plan physique. Là, le plan un petit peu énergétique où tu es entre le spirituel et la matière. Et là, c'est pour vraiment les énergies très spirituelles. Mais en gros, ce qui est intéressant avec ce genre de cadran, je vous déconseille de faire attention à ce qu'il y a au centre, c'est vraiment de faire attention à où le pendule se dirige sur le cadran. Par exemple, si je demande les énergies d'Anne-Laure, on est sur le plan énergétique à l'heure actuelle. Donc on est sur une énergie supérieure à un PNJ, ouais, je dirais concrètement. Et si on demande celle de Maxime, bizarrement, Maxime, il a un petit peu moins. Il n'a pas encore passé ce déclic. Et comme on disait, il cherche les explications, mais il est encore dans la matière. Pour Maxime. Voilà. Donc on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin d'avoir ce petit déclic, cette connexion qui va se faire. Mais pour le moment, on est encore dans la matière. Alors qu'Anne-Laure, elle a passé le cap. Donc on va reprendre les énergies d'Anne-Laure pour imager. Voilà. Et Anne-Laure, elle a passé le cap. Elle va chercher là à se développer à l'heure actuelle. Donc ton taux vibratoire pour Draka. Pour Draka. Ouais, mais pour Draka, si t'es malade, c'est normal aussi qu'il soit aussi bas, je dirais. Pour Princesse Biscotte, où on se situe? Princesse Biscotte, on se situe un petit peu en dessous là, des énergies d'Anne-Laure. Donc comme je l'expliquais aussi au premier live, pendule sur le cadran de Bovis, vos énergies elles sont changeantes en fonction de vos émotions, comme là on l'a vu avec Draka, en fonction aussi de l'état de santé. Et si vous canalisez une certaine émotion, le pendule réagira différemment. Donc je vais le faire pour hausser. Et après, je vous image avec mes énergies en canalisant des énergies différentes. Vous allez comprendre tout de suite le truc. Donc, les énergies d'OC. OC, c'est pareil. On est sur une moyenne haute, mais on est encore sur la moyenne. Donc, on est dans l'aspect énergétique où il y a la connexion qui a commencé à se faire. On est sorti de la matière, mais on n'est pas encore ultra connecté à l'au-delà. Si je puis dire. Quand je parle d'au-delà, je ne parle pas du royaume des morts, je parle vraiment du plan subtil. Hein. Et on va demander mes énergies. Donc ça me permet de flex un petit peu. Mais concrètement, ben, si je me concentre un petit peu sur mes énergies et que je canalise les énergies de l'amour. Et on descend encore un petit peu. Si je canalise les énergies de la colère. Si je pense à mes amis,
Et si je relâche? Vos énergies sont impactées directement par vos émotions. Quand je dis connexion, c'est ça, c'est le... Tu vois, y a les gens qui sont dans la matière, où il faut impérativement expliquer les choses, où il faut impérativement être ancré vraiment dans l'instant présent, dans le soi. Voilà. Et sans aller chercher plus loin, c'est ça que j'appelle la matière. Quand on va être dans les énergies, dans le principe énergétique, dans le principe spirituel, c'est qu'on va déjà avoir accepté qu'il y a des choses qui n'auront pas forcément de réponse. Et c'est pour ça que notre ami Maxime, ici présent, scientifique dans l'âme, et de profession accessoirement, reste sur la limite entre les deux. Où bah, il cherche la réponse, il cherche les explications, mais il y a un début de quelque chose où il se dit qu'il y a peut-être autre chose qui existe que le factuel, au final. Et on va passer du coup sur un autre cadran de Bovis, parce que celui-là, c'est pas le meilleur qu'on va pouvoir avoir pour ce genre de questions. Et qu'il y en a plusieurs modèles. Donc, reprendre celui-là. Alors, vous voyez par exemple celui-là, le plan énergétique va commencer un petit peu avant, mais on n'aura pas les mêmes numéros. La fourchette entre les numéros, là vous voyez, c'est de 3000 à 3000, alors que sur l'autre, on est sur une fourchette de 1000 en 1000. Donc, selon les énergies de qui vous aurez à sur qui vous aurez à bosser et sur quel type d'énergie vous allez devoir bosser. Vous n'allez pas utiliser spécialement le même cadran. Et après, on a des cadrans spécialisés vraiment pour le spirituel, où là, tu vas exposer tous les records et ça va monter jusqu'à 4 millions de bovis. Donc, sachant que le bovis est une unité qui a été inventée de toutes pièces, uniquement dans le but de quantifier un petit peu les énergies comme on le peut. On peut vérifier le taux vibratoire d'une maison. D'ailleurs, votre taux vibratoire, inévitablement, est impacté par l'endroit où vous vivez. Oui, c'est ça. Votre taux vibratoire est impacté par l'endroit où vous vivez. Et de la même manière, le taux de l'endroit où vous vivez est impacté par le vôtre. C'est-à-dire que si tu balances que de l'amour dans ton lieu, bah, au bout d'un moment, il va finir par vibrer de l'amour. Et s'il vibre de l'amour, inévitablement, il va vous renvoyer ses vibrations aussi. Ah oui, ils sont vraiment tip-top, tes cadrans. Oui, j'ai pensé à toi pour l'amour, Draka. Et ça aussi, le changement comme ça, là, la canalisation, c'est quelque chose. Alors, c'est un flex hein, que je fais parce que concrètement, ne cherchez pas à faire ça sans vous fatiguer. Même moi, ça me met un petit coup aussi. Mais ne cherchez pas à faire ça sans vous fatiguer comme ça dès les premières années. C'est beaucoup de concentration et c'est l'apprentissage de la magie qui m'a permis d'en arriver là aussi. Donc par exemple, le taux vibratoire de la maison d'Anne-Laure et de Maxime. Et tu vois, on va directement dans le plan spirituel. Je me demande si tu n'as pas fait une bonne grosse purification, si tu n'as pas chargé ton lieu d'une certaine manière quand même, pour le coup, Anne-Laure. En tout cas, oui, on est dans des grosses, grosses énergies, on vibre haut chez toi. Donc ça aide aussi à élever vos taux vibratoires à vous. Non, en tout cas, il n'y a pas à s'inquiéter du tout. Cadran sur du bois, ça peut marcher très bien. Ça te sort 0 000. Bah, 0, on est là. On est vraiment au plus faible. Donc là, c'est étonnant pour le coup qu'on ait des résultats aussi différents. Alors, je vais repasser sur le plan plutôt, sur le cadran plutôt axé sur la matière, sur le plan physique. Voir s'il n'y a pas un. Pour les énergies du lieu d'Anne-Laure et de Maxime. Non, non, on part dans le spirituel directement de mon côté. Donc là, à voir si vous ne l'influencez pas d'une certaine manière. Parce que là, de toute façon, un zéro pour un lieu, c'est quasiment impossible à obtenir.
C'est inévitablement, même le zéro pour tout, toute la matière, tout ce qui existe, tout ce qu'il y a autour de nous, ça vibre. Tu peux pas atteindre un zéro. Même sur une baraque en ruine, t'auras pas un zéro. Donc là, je suis quasiment sûr et certain que non, là, pour le coup, c'est plutôt une influence extérieure, je pense la vôtre. Vous avez peut-être tellement peur que ce soit négatif qu'au final, vous le déclenchez. Voir si ça va sur le zéro, est-ce que ça va vraiment sur le zéro ou est-ce que ça cherche pas à aller plutôt de l'autre côté, tu vois? Mais si je demande, ouais non, si je me concentre et que je demande pour vraiment pour le lieu, on est en plein milieu du plan spirituel. Donc non, pour moi, ouais, vous l'influencez là pour le coup. Donc ça, s'il y a quelqu'un d'autre dans le chat qui a son pendule et qui peut vérifier, même en dessinant, hein, vous prenez une feuille de papier, vous dessinez vite fait le cadran. Vous marquez Bovis dessus avec des numéros allant de. Enfin, vous pouvez mettre 0 d'un côté, vous n'êtes pas obligé de marquer toutes les fourchettes, mais mettez 0 d'un côté et 60 000 de l'autre. Et vous pouvez refaire le test comme ça de chez vous avec une feuille et un stylo. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que si Anne-Laure et Maxime vibrent plein d'amour et de bonnes choses, où ira le taux vibratoire du lieu? Et là, tu vois, on explose le cadran. Et dans ces cas-là, quand on sort du cadran, bah, le mieux à faire, c'est de prendre un cadran qui va plus haut. Donc, si Maxime et Anne-Laure poussent l'amour dans leur lieu. Et là, tu vois, ouais, on est pas mal haut, hein. Donc sur ce cadran-là, l'énergie du lieu de Maxime et d'Anne-Laure à l'heure actuelle. Ouais, c'est du simple au double. Mais on est toujours assez haut, enfin on n'est clairement pas autour de zéro. Les énergies du lieu, je pense qu'elles sont très fortes chez vous. Peut-être que c'est ça qui vous met mal à l'aise, mais en tout cas, on n'est pas sur du négatif. »« 57 000 spirituels, ouais, c'est ça. Donc c'est à peu près ce que j'avais d'ailleurs sur le cadran qui va jusqu'à 60 000. Donc là, de ce côté-là, non, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Et d'ailleurs, si ça intéresse Maxime, puisqu'il n'était pas là la première fois où on l'a fait, il y a un cadran avec les prédispositions et les capacités qu'on peut aller le chercher. Recherche d'eau, plan vibratoire, polarité, ionisation de l'air, affinité, non, pas là-dessus, capacité extrasensorielle. Voilà. Et on a la mission de vie d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse, Anne-Laure Maxime, vous n'étiez pas là la dernière fois, on peut aller checker vos capacités, en tout cas les prédispositions que vous avez, et ce qu'on appelle la mission de vie. Donc encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Si la mission de vie ne vous convient pas, à vous de faire ce que vous voulez de votre vie, pour le coup. Déjà, on va aller voir pour les capacités. Donc, Anne-Laure. Anne-Laure, on a beaucoup d'empathie. Est-ce qu'il y a autre chose qui doit ressortir? Oui. Il y a peut-être moyen d'apprendre le magnétisme pour le coup, Anne-Laure. Peut-être apprendre à magnétiser, ça pourrait être assez intéressant pour toi. Surtout avec l'empathie, bon, l'un va rarement sans l'autre. Mais bien sûr, princesse biscotte. On va faire Maxime du coup. Donc Maxime. Et Maxime, c'est plutôt une question d'intuition.
très bonne intuition. Et est-ce que il y a autre chose? Oui. La médiumnité. Donc oui, bah c'est pas forcément un scoop. Est-ce qu'on peut préciser sur la médiumnité quel type de médiumnité exactement? Ça passerait par les odeurs et le son, a priori. Beaucoup la clairaudience, mais j'ai l'impression qu'il est un peu entre les deux. Donc oui, a priori, Maxime serait plutôt des choses que tu entendrais, des messages que tu pourrais entendre. Donc là, on parle des capacités avec lesquelles vous avez le plus de facilité. Ensuite, on avait dit pour Princesse Biscotte. Le taux vibratoire d'animaux, oui, complètement. En général, ça vibre un petit peu plus bas, par contre. Les animaux sont bien souvent très ancrés dans la matière, sauf pour certains. C'est d'ailleurs un bon moyen de savoir si votre animal est un familier. Si le pendule, il explose le cadran du côté spirituel, bon, il y a de fortes chances. Et si le pendule, il reste un peu dans la moyenne, moyenne basse, c'est qu'on est sur un animal lambda. Donc, Princesse Biscotte, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ses capacités? Partirait sur la précognition, un petit peu de divination, de voyance, du coup, Princesse Biscotte, pour toi, est-ce qu'il y a autre chose? L'intuition. Bah, toi, pour le coup, je pense, Princesse Biscotte, la divination, c'est quelque chose qui pourrait être assez sympa à développer. Même une plante, en effet. Et ensuite, on peut aller voir la mission de vie. Ça, comme je le dis, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes et c'est il n'y a que vous qui devez décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Donc, pour Anne-Laure. Ouf. Ouais, pour le coup, c'est un gros oui quand même et on part sur une mission de création. Est-ce qu'il y a une autre possibilité? Non, on reste sur la création. Il faut que tu diffuses ce que tu sais faire, il faut que tu crées. Et pour Maxime. Pour Maxime, on part sur la mission d'enseignement. Maxime, faut que tu diffuses ton savoir. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, mission visionnaire. Il faut que tu diffuses ton savoir et je pense que oui, dans la recherche, il va y avoir un peut-être des idées qui pourront pousser les choses, qui pourront faire avancer les choses. Donc d'ailleurs, pour rappel, ces cadrans-là, vous pouvez les trouver sur vibratis.fr. Si jamais vous voulez faire les tests vous-même. Et vous pouvez même, je crois, en créer sur ce site-là. Donc Princesse Biscotte. Qu'est-ce qui ressort pour Princesse Biscotte? Mission de paix. Ah, c'est pas trop en... Va pas être trop d'accord avec ça, mais il va falloir l'accepter quand même. Pour le coup, est-ce qu'il y a autre chose pour Princesse Biscotte? Mission de guérison. Et là, on peut demander pour la mission de guérison de Princesse Biscotte, est-ce que c'est elle-même qu'elle doit guérir? Est-ce que c'est les autres? Donc c'est toi et tu dois t'occuper de toi, Princesse Biscotte.
Donc la mission de paix, ça peut être ça, trouver la paix avec soi-même. Mais pas de soucis, Anne-Laure, on est là pour ça, justement. Pour World of Rune. Je te l'avais pas fait, World of Rune, la dernière fois déjà. On a la mission de création. Est-ce qu'il y en a une autre? Mission d'enseignement aussi, World of Rune. D'où la clairguidance. Voilà. Et ça, c'est les petits cadrans qui sont vachement sympas à utiliser. D'ailleurs, moi, c'est quoi ma mission de vie? Mission scientifique. Bon, bah, c'est râpé là pour le coup. Est-ce qu'il y a autre chose? Mission d'enseignement. Et après, ce qui est drôle à faire aussi avec ce genre de cadran, c'est que par exemple, si j'ai envie de forcer les choses, donc on va essayer d'en choisir une où je sais que c'est absolument pas mon but. Parce que je suis nul dans cette catégorie-là. La mission de création. Je ne suis pas un bon créateur. Donc ouais, mission de création. Je le lance volontairement sur la mission de création. Est-ce que c'est bien ma mission de vie? Voilà, donc même si j'ai envie de l'influencer, il reviendra là où il doit arriver. Et c'est ça qui est beau avec le pendule. Ah, pub. Mission scientifique. Ben, j'adorerais. J'adorerais. Je pense vraiment encore à notre discussion et j'aimerais bien, j'adorerais justement réussir à récupérer les données de manière fiable pour le coup. Mais j'avoue que je sais vraiment pas comment je pourrais me débrouiller, quoi. Pour les enfants? Oui, on peut regarder pour les enfants. Après, ça peut être changeant pour les enfants. Mais tu veux que je regarde les re? Du coup, Anne-Laure, tu veux que si t'es toujours là, tu veux que je regarde pour Élise, tu veux que je regarde les capacités ou la mission de vie plutôt? Ou les deux? Cadran sur les blessures de l'âme, je dois bien en avoir un dans la liste. C'est les cadrans de Draka à la base. Il faudrait que j'aille regarder. Si elle a des capacités. D'accord. Qu'est-ce que Élise a des prédispositions? On serait plutôt au niveau de l'énergétique. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc on serait sur le médiumnique et des capacités énergétiques. Quand on entend des capacités énergétiques, on pense principalement à tout ce qui va être sorcellerie, magie, etc. Donc il y a peut-être un jour où elle se lancera dans ces domaines-là pour le coup. Et je vais regarder pour les blessures de l'âme. C'est vrai que ça peut être intéressant d'aller étudier ça aussi. Alors, les blessures de l'âme. Non, vraiment, Draka, il est magique, ton portfolio. Condition, origine de l'erreur, plan de polarité, précision, affinité, mission de vie, chakra.
Médecine douce. Ah, a priori, il va pas y avoir ça par contre. Donc il en faut un avec les entités et il va en falloir un aussi avec les blessures d'âme du coup. Si tu peux me redire les blessures d'âme, si tu peux me les citer, si quelqu'un peut me trouver un endroit où elles sont listées, je vais aller chercher un calepin et puis on va refaire le cadran à la main. Ça peut être intéressant à voir aussi de cette manière. Je vous pose le micro et je reviens de ce pas. Tout est imprimé sur le site Vibratis. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a que 5? Donc, de la même manière, on fait notre cadran. On a dit rejet, trahison, abandon. Humiliation et injustice. Je raccroche le micro. Je vais l'accrocher là, vous m'entendrez peut-être mieux. Voilà. Et du coup, on va commencer avec Gaël, la blessure de l'âme. Gaël. On serait sur l'injustice. Est-ce qu'il y en a une autre? L'humiliation. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Donc pour Gaël, injustice, humiliation a priori. Drakkar. Les blessures de l'âme que Drakkar doit travailler. On a l'abandon. Est-ce qu'il y en a une autre? Non.
Toi, c'est la blessure d'abandon, Draka, principalement. Ne t'inquiète pas, je resterai là. Trahison, injustice pour Princesse Biscotte. Bon, on va voir ça tout de suite. Pour Princesse Biscotte, les blessures qui ressortent. Alors, l'injustice, oui. Est-ce qu'il y en a une autre? Humiliation. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, a priori, on est sur injustice et humiliation pour toi, Princesse Biscotte. Si c'est une blessure de l'âme, ça serait éventuellement d'office dans une vie antérieure. Dans le cas où la réincarnation ne serait pas un fait et où on ne se réincarnerait pas, où on n'aurait qu'une seule vie, c'est peut-être juste, oui, une de tes missions dans cette incarnation. Mais enfin, pour moi, vu qu'il y a une réincarnation, inévitablement, oui, tu dois le travailler via tes vies antérieures. Bah, tiens, on va poser la question au pendule. Est-ce que les blessures de l'âme sont obligatoirement liées aux vies antérieures? Donc c'est un oui. Ouais. C'est rien que je parte dans des explications et des théories. On a la réponse. World of Rune. Pour World of Rune, on a l'injustice. Est-ce qu'il y en a une autre? Le rejet. Injustice et rejet pour toi, World of Rune. Et coucou Shinto de France. On est sur les blessures d'âme. Alors, c'est pas vraiment le nous d'avant qui souffre maintenant. C'est que on a connu des expériences, à mon avis, dans les vies antérieures, qui nous ont marqué si fort que c'est encore aujourd'hui une petite cicatrice. C'est un peu comme quand t'es gamin, tu te blesses, tu gardes une cicatrice à vie. Bon, bah, c'est pas adulte, tu souffres plus de ta cicatrice, c'est juste encore une marque qui est là et quand tu la regardes, bah, tu y penses. Bah, les blessures d'âme, c'est un peu pareil au niveau de l'âme, c'est-à-dire que c'est une marque qui est là et inévitablement, c'est un peu plus compliqué d'aller contre cette marque parce qu'elle est bien présente, tu vois. Je ne sais pas si c'était très clair mon explication. J'ai peut-être pas choisi la meilleure des métaphores. C'est un baromètre de l'âme de notre vie, d'une certaine manière, oui. T'as envie d'aller te réconforter. Pour OC? Pour OC. L'humiliation. Est-ce qu'il y en a une autre? L'abandon. Est-ce qu'il y en a une autre? Trahison. Est-ce qu'il y en a une autre? Donc humiliation, abandon, trahison pour toi. Et ensuite, je pense que au final, notre âme a fini d'évoluer quand elle a les cinq blessures, d'une certaine manière. Ou bah, ça nous aide à nous compléter, parce qu'on est obligé d'y passer par ces blessures-là. Donc je pense plus que les blessures d'âme, c'est un marqueur de l'ancienneté, si je puis dire, de notre âme. Plus que des choses que tu dois travailler, ça fait partie de toi inévitablement, tu peux difficilement passer au-dessus. Est-ce que c'est fiable? C'est basé sur les cinq blessures de l'âme, pour le coup. Il semblait qu'il y en avait un peu plus. Mais au moins ces cinq-là, donc c'est une théorie
qui existe depuis le début des années 2000, fin des années 90. On y adhère ou on n'y adhère pas. Je pense que de toute façon, le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, à plus ou moins grande échelle, ça nous impacte tous. C'est juste qu'on va être plus sujet à certaines choses qu'à d'autres. Là, par exemple, pour toi, tu me diras si ça te parle, du coup, Shinto de France, qu'on a l'injustice qui ressort beaucoup même. Est-ce qu'il y en a une autre? A priori, que l'injustice pour toi. Donc, est-ce que c'est à travailler? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te trigger vraiment? Je pense que oui, d'une certaine manière. Mais comme je le disais, c'est des choses, on y est tous sujets. Puis si ça peut vous rassurer, les blessures que je dois travailler moi. L'humiliation, est-ce qu'il y en a une autre? L'injustice, est-ce qu'il y en a une autre? L'abandon, une autre. La trahison, une autre. Bon, c'est vrai qu'en effet, j'ai absolument pas peur d'être rejeté, mais pour le coup, encore une fois, bon, je suis comme ça et c'est tout, faut l'accepter. Donc ne vous prenez pas la tête par rapport à ce genre de cadran. Une fois que l'âme a fini d'évoluer, que se passe-t-il? Alors, je vais revenir en facecam pour développer ceci. Quel est le but de cette évolution? Il y a beaucoup de théories. Factuellement, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. On imagine que si l'âme s'incarne, c'est pour apprendre, pour vivre plein d'expériences et se compléter. Soit dans le but de retourner à la source d'une certaine manière pour que la source se complète elle-même. En gros, il y a une théorie qui dit que ben, l'énergie de base, elle avait conscience qu'elle n'était pas parfaite et elle cherche à se perfectionner. Du coup, elle a balancé des petits bouts un peu partout et c'est ces petits bouts que nous, on serait dans le but de revenir à la fin pour qu'elle acquiert encore des connaissances. C'est le même principe, en gros, c'est le même principe que l'incarnation sur Terre si on se réincarne. Sauf que bah, au lieu de faire évoluer notre âme, on fait évoluer l'âme ultime, si tu préfères. Donc ça, c'est une théorie qui existe. Il y a l'autre théorie qui dit que toutes les âmes sont liées et qu'au final, le but, c'est juste de faire tourner la grosse machine. C'est une possibilité. Ensuite, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'âme a fini d'évoluer un jour? Parce qu'il y a tellement d'expériences, il y a une infinité d'expériences à vivre déjà sur Terre, mais si on prend en compte toutes les formes de vie, toutes les consciences de l'univers. Il n'y a pas que sur Terre qu'il y a de la vie, ça je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Bah, on n'a pas fini de s'incarner, parce que les expériences sur d'autres planètes seront certainement aussi riches que celles sur la nôtre. Et d'ailleurs, petite question à poser avec le pendule. Est-ce que l'âme a terminé son cycle incarnatoire à un moment donné? Donc a priori, on peut finir. D'après le pendule, le cycle incarnatoire. On peut arrêter de s'incarner. Donc, sous quelles conditions? Ben, on peut le demander aussi. Est-ce que le but de l'incarnation est réellement d'apprendre? A priori, on a un non. Est-ce que l'âme évolue avec l'incarnation? On a un oui. Est-ce que nos décisions et nos vies impactent réellement l'évolution de l'âme? On a un non. Intéressant comme question, mais là pour le coup, j'ai absolument aucune autre explication à donner. Donc pourquoi on s'incarne? Parce que ça ferait évoluer l'âme. Est-ce que les choix, est-ce que nos incarnations ont réellement un impact sur cette évolution? Non, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, l'âme évoluera quand même. C'est plutôt intéressant.
Évolution perpétuelle, c'est possible. Attends, est-ce que l'évolution de l'âme a réellement un but? Est-ce que l'évolution de l'âme a réellement un but? Oui. Est-ce que le but de l'évolution de l'âme, c'est d'enrichir la source ultime? Non. Est-ce que les âmes sont juste nécessaires au bon fonctionnement de l'univers? Oui. Donc ouais, ça serait un gros rouage, quoi, en gros. Un gros mécanisme, il faudrait ça pour que le tout fonctionne, mais du coup, ça serait indépendant au final de la forme de vie. En effet, aussi, ça pourrait vouloir dire qu'on ne prend jamais de mauvaises décisions. Est-ce qu'on a un libre arbitre? Est-ce que nous avons un libre arbitre? J'ai un petit oui mais. Mais c'est comme s'il voulait juste pas répondre. Est-ce que nous sommes libres de nos choix? Oui. Est-ce que nos choix sont réellement, est-ce que nos choix sont prédéterminés? Non. Donc, on a un libre arbitre. Je ne saurais pas vous dire si on a un libre arbitre ou non. A priori, on peut vraiment décider de nos choix. Mais il ne veut pas répondre par rapport au libre arbitre. Est-ce qu'il y a un fil déjà établi? Bah, ça revient un peu à la au même à la question. Est-ce qu'il y a un fil préétabli pour notre destin? C'est pareil, on a un oui, mais il commence à tourner puis il revient net. Est-ce que les forces influencent nos choix, nous donnant un semblant de libre arbitre? Non. Est-ce que c'est... Ah, pas con. Est-ce qu'on a bien compris la notion de libre arbitre? Comment vous dire, les gens? A priori, on comprend mal le libre arbitre. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs chemins prédéfinis sur lesquels on peut se diriger? Oui. Est-ce que c'est bien nous qui choisissons les chemins? Oui. Est-ce qu'on peut prendre de mauvaises décisions? Non. Est-ce qu'on a un libre arbitre? Ah ouais, non, il veut vraiment pas répondre à cette question-là, quoi. Ça me trouble. Ouais, c'est un peu ça aussi. Est-ce que les énergies peuvent nous influencer? Oui. Est-ce que les entités peuvent nous influencer? Oui. Est-ce que d'autres facteurs peuvent nous influencer? Non. Ah oui, donc on aura un libre arbitre plutôt limité quand même. Attention.
C'est dommage, ça met plein de petites étoiles. Je sais pas ce qui. J'ai Max, plein d'étoiles, le plein d'étoiles avec sa question. Ouais, c'est ça, c'est on est vraiment entre deux chaises là. Non, ça veut vraiment pas me l'afficher pour le coup. T'as dit comment? D'accord. Bah non, au contraire, c'est des questions qui sont très intéressantes à poser. Ça remet aussi, là pour le coup, ça remet mes croyances en question. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas prendre de mauvaises décisions. Il faut aller dans les réglages, mais dans les réglages, j'ai juste modifié les infos du stream et masqué le chat. Enfin, que je sais, parce que ouais, si vous, vous pouvez les voir et que moi, je peux pas les voir, c'est que normalement, je suis censé pouvoir les retirer. Toujours vers le positif. Ah oui, bah là, de toute façon. Et puis, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix. Alors, dans ce. Mes pendules, en général, ça réagit, ça fait des ronds pour un oui, ça fait des allers-retours, donc soit d'avant en arrière, soit de gauche à droite pour un non. Et des fois, quand la réponse, elle n'est pas claire ou que la question est mal formulée, il fait des arcs de cercle et il revient droit. Là, ça fait vraiment un demi-cercle. Non, bah, j'irai voir ça du coup, le film. Comment on peut poser cette question-là? C'est intéressant ça aussi. Par rapport aux entités et au libre arbitre. Est-ce que les entités peuvent altérer notre libre arbitre? Non. Elles peuvent nous influencer dans nos choix? Oui. Donc elles peuvent pas bloquer notre libre arbitre dans le sens où on peut refuser des choses à une entité, de ce que je comprends. Bien sûr, Shinto de France. Bah, c'est ça, World of Ruin, c'est quand je demande si on a bien compris le libre arbitre, ils répondent non. Donc, qu'est-ce que le libre arbitre est lié à certaines entités? Est-ce que les entités ont un libre arbitre? Non. Est-ce qu'on est des Sims? On est des Sims. Est-ce que les entités ont une conscience? Ah, tu vois, c'est ce que je disais, ça fait le. J'ai le 8 mai. Il commence à tourner, il revient droit. Mais après, ça s'est peut-être influencé par moi, mes propres croyances et mon conditionnement pour le coup. Alors. Allez, coucou Max. Toute oscillation, un choix va entraîner une contre-réaction contraire pour stabiliser. Vibration, est-ce que le choix crée une vibration contraire pour tout stabiliser? Je pense que tu t'approches de la vérité pour le coup, Maxime. C'est assez intéressant parce que du coup, en admettant ça voudrait dire au final que c'est vraiment nos choix, notre perception qui influence la matière d'une certaine manière. La matière n'existerait pas s'il n'y a personne pour faire de choix, ou pour décider, ne serait-ce que de l'observer. Parce
que la matière existerait s'il n'y avait pas de forme de vie consciente. A priori, la matière n'existe pas s'il n'y a pas de conscience. Est-ce que c'est la conscience qui a créé la matière? Non. Est-ce que la conscience et la matière sont liées? Oui. Alors là, je sèche. En gros, il n'y a pas de matière s'il n'y a pas de conscience. La conscience n'a pas créé la matière pour autant et les deux sont liés. Il manque un paramètre. Il manque un truc, mais j'arrive pas à... J'espère qu'il joue pas aux Sims. Ah bah oui, tu m'étonnes aussi. Bah c'est pareil, hein, tu sais, quand tu joues aux Sims, c'est pas forcément terrible. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui joue aux Sims? Non, nous ne sommes pas dirigés. Mais si je demande si on est des Sims, on est des Sims. En gros, on est des Sims sans roue libre, sans personne derrière le clavier. C'est possible, princesse biscotte. Bah, un peu comme, tu sais, quand tu lances tes Sims, c'est que tu les laisses vivre. Bah, au final, ils font leur vie, ils font ce qu'ils ont à faire sans que tu fasses quoi que ce soit, quoi. Et dans les autres maisons à côté, c'est pareil, ça continue à vivre, ça continue à grandir, à faire des bébés et tout. Sauf que tu les joues pas. Comment on pourrait aller plus loin, du coup? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a joué aux Sims avec nous? Non. Bon, on n'a pas été abandonné par le développeur, c'est déjà pas mal. Est-ce que nous sommes dans une simulation? Rien n'est réel, tout est permis. Est-ce qu'on comprend ce qu'est une simulation? Non. Est-ce qu'on comprend mieux le libre arbitre que la simulation? Oui. Bon, on n'est pas rendu. Parce que si on comprend pas le libre arbitre et qu'on le comprend mieux que la simu. C'est pas de la courtisane. Bah, a priori, il n'y a personne qui nous manipule. C'est ça le truc. Est-ce que la vie est une simulation pour notre âme? Est-ce que la vie est une simulation pour notre âme? Oui. Est-ce que notre âme existe dans une simulation? C'est pas la bonne question. Est-ce que la simulation comprend notre âme? Est-ce que notre âme fait partie de la simulation?
Non. La simulation est donc nécessaire à l'âme. Oui. Oui, donc on en revient au principe de la réincarnation pour que l'âme évolue. Jusqu'à priori, la matière, bon, bah, c'est... La matière sera... Ah, oui, peut-être. Est-ce que c'est les âmes qui ont créé la matière? Non. Est-ce que les âmes sont liées à la matière? Non. Est-ce que la matière sert aux âmes? Oui. Est-ce que la matière est une simulation? Oui. Est-ce que nous pouvons sortir de cette simulation? Non. Là, je sèche. On se manipulerait nous-mêmes d'une certaine manière, mais sans se manipuler, enfin, c'est compliqué. Est-ce qu'à notre mort, on sort de la simulation? Oui, mais. Est-ce que la réincarnation, c'est un retour dans la simulation? Oui. Est-ce qu'on est obligé de se réincarner? Non. Est-ce qu'on peut choisir ou pas de se réincarner? Non. Donc on serait obligé de se réincarner et c'est pas nous qui décidons. Donc ça revient aux réponses qu'on avait eues la dernière fois avec le feu. Shinto de France qui a demandé, est-ce qu'une âme... Hein? Casser la corde. Est-ce que tout est une âme à venir, même non animée? A priori, oui. Bah c'est ça, c'est que les réponses elles ont l'air d'être cohérentes, mais je pense qu'on n'a juste peut-être pas les capacités de comprendre vraiment. Est-ce qu'on comprendra un jour toutes ces questions? Non. Est-ce que l'humain est capable de comprendre? Oui. Ah, ça va nous aider, ça. Est-ce que notre âme comprend elle-même? Non. Est-ce qu'elle en a la capacité? Oui. Est-ce que c'est ça le but de l'incarnation de l'âme? Non. Est-ce qu'il faut régresser pour mieux comprendre? Est-ce qu'on doit revenir au stade animal pour mieux comprendre? C'est un nom, mais c'est compliqué, quoi. C'est vrai qu'il a fait la simulation, puis il ne pouvait pas faire plus simple. Bah, techniquement, ça c'est une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas créer quelque chose qui serait plus grand que nous. C'est-à-dire que si on refaisait une simulation, ça serait obligatoirement
un univers plus petit que le nôtre, en admettant que tout l'univers soit la simulation. Donc, ce qui a créé cette simulation, est-ce que c'est pas juste, quand on parle de simulation, est-ce qu'on parle pas juste d'un espèce de multivers où il y a plein d'univers qui sont similaires et pourtant différents, et que chacun serait une simulation de la vie en règle générale, sans forcément qu'il y ait réellement un créateur, tu vois? Je ne sais pas si c'était très clair. Pour Shinto de France, est-ce que Shinto de France est entouré d'esprit ou de Dieu chez lui? Oui. Oui, Shinto de France. Faut-il trouver la connexion parfaite animal, végétal, humain pour comprendre un peu mieux? Non. Non, vraiment, je sèche. Je comprends vraiment pas le. Bah, d'une certaine manière, oui, complètement, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai envie de comprendre quand même. Et là, tu vois, y a Maxime et Anne-Laure qui parlent plus. J'en connais deux qui sont en train de se torturer l'esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre de tout ça? Ah, bon, bah au final, on a notre réponse. C'est ça, vivez, faites marcher la machine. Ça a l'air d'être ça. Ça expliquerait le pourquoi on ne comprend pas réellement le libre-arbitre d'ailleurs. Hey, coucou général. L'humain se prend trop la tête. Bah sinon on serait pas là à se poser toutes ces questions-là. Hein. Pour le coup. Attends, vivons et nous verrons bien. Un modo, faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Non, ça va, ils sont cool les modos ici. Peut-être une solution, réponse universelle à trouver et chaque âme une tentative aléatoire, une recherche de l'aléato par l'aléatoire ou chaos. Est-ce que Maxime se rapproche de la vérité? A priori, tu tiens quelque chose là, Max. Bonsoir, Lady Léline. Est-ce que les âmes sont des tentatives aléatoires? Non. Non, donc au final, les âmes seraient. Bah. Est-ce que tous les types d'âmes existent pour trouver la bonne? Ah, donc on serait pas dans l'aléatoire pour le coup. Il y aurait vraiment toutes les possibilités mises en place parce qu'il y aurait un truc bien défini à trouver. Est-ce que c'est ça? A priori, ça serait ça. Qu'est-ce qu'il y a une conscience qui cherche à trouver quelque chose? Oui. Est-ce que l'univers est la conscience? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que l'univers? Bon, c'est déjà ça.
Donc l'univers serait la conscience, l'univers serait vraiment la source pour le coup. Oui, sur TikTok, t'es un tyran en général. À ma demande, certes, mais un peu quand même. Est-ce que nous sommes des composants d'un être bien plus grand? Oui. Est-ce que cet être, c'est l'univers? Oui. Est-ce que l'univers est l'équivalent du cerveau? Pour nous. Non. Est-ce que l'univers est conscient que nous existons? Oui. Bon, ça va pas nous aider beaucoup tout ça. Est-ce que le hasard existe? Est-ce que le hasard existe? Oui. Donc oui, il y a quand même une certaine notion de hasard et d'aléatoire. Juste pas pour les âmes. Est-ce que Général Pinte aura un jour un prix Nobel? Un oui, mais. Est-ce que dans nos vies, tout arrive toujours pour une raison? Est-ce que la variable aléatoire, c'est justement nos vies? Et ce qui nous arrive? Oui. Donc concrètement, il y a toutes les possibilités qui ont été créées pour qu'on évolue dans l'aléatoire, dans le but de trouver un truc spécifique. Et bon, on n'est pas sorti de la berge. Ah non, là. Heureusement qu'on a deux scientifiques avec nous, parce que. S'ils sont autant perdus que nous. C'est pas une mauvaise chose. Mais là, pour le coup, ouais, je vois même pas comment on pourrait aller plus loin, en fait. La réponse est Dieu. On va demander pour faire plaisir à Général. Est-ce que nous devons trouver Dieu? Non. Est-ce que Dieu existe? Oui. Est-ce que Dieu est l'univers? Oui. On n'est peut-être pas censé savoir au final. Bah, a priori, on a les capacités pour comprendre, mais on est encore loin du compte. L'univers ne veut plus de sa participation ce soir. Ah merde. Donc ouais, il y a peut-être vraiment un signe et peut-être qu'on ne doit pas comprendre. Ça, on a la capacité de le faire, mais est-ce qu'on doit le faire? Eh, pas con. Est-ce qu'on a bien la capacité de comprendre? Oui. Est-ce qu'on doit comprendre? Non. Est-ce que si on comprenait, tout s'arrêterait?
Donc ça va, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui comprend un jour, ça s'arrêtera pas. Ben, j'ai demandé du coup s'il y avait quelque chose au-dessus de l'univers et ça répond non. Donc l'univers serait vraiment le plus gros truc, a priori. 2 heures de live bien riche, ouais, j'avoue. Nous reste encore 10 minutes. Ah! Est-ce que l'univers peut mourir? Non. Est-ce que l'univers peut changer? Oui. Du coup, c'était quoi la question d'avant? Est-ce que quelqu'un a déjà compris? Est-ce que quelqu'un a déjà compris ce qu'on cherche à comprendre? On partirait sur un oui. Est-ce que c'était Einstein? Est-ce que c'était quelqu'un de connu? Est-ce qu'on l'a pris pour un fou de son vivant? L'univers cherche la survie ou la reproduction. Bah, a priori, il ne peut pas mourir, donc il n'aurait pas d'intérêt à chercher la survie. Est-ce que l'univers cherche à se reproduire? Oui. Est-ce que c'est par le cheminement des âmes qu'il pourra le faire? Non. Donc l'univers, il cherche à faire des bébés, mais a priori, ça n'a rien à voir avec nous pour le coup. Est-ce qu'il le vivait bien mentalement? Bonne question aussi. Je pense que non, concrètement. Est-ce que la personne qui a compris tout ça le vivait bien mentalement? Ouais, non. Est-ce que nous sommes tous un peu l'univers? On est sur un oui mais. Bah, ça, là, c'est toi qui en reviens à ça aussi. On n'a jamais dit que l'univers, il avait besoin de ça pour se reproduire. Par définition, l'univers tend vers le chaos. Est-ce que l'univers tend vers le chaos? Non. Est-ce que tout est bien millimétré dans l'univers? Est-ce que l'univers sait ce qu'il fait? Non. Est-ce que l'univers sait ce qu'il est? Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs univers? Est-ce qu'il y a plusieurs univers? Oui, il y a plusieurs univers, a priori. L'univers en roue libre aussi, ouais. L'univers aurait donc une conscience, a priori. Est-ce qu'on peut s'adresser à l'univers? Est-ce que l'univers est capable de nous entendre? A priori, non. Est-ce que quand on s'adresse à l'univers, on s'adresse uniquement aux énergies qui nous entourent? Donc ouais, en gros, quand on s'adresse à l'univers, faut faire gaffe parce que c'est pas l'univers qui répond, quoi.
Est-ce qu'il y a un autre général peintre dans cet autre univers? Est-ce que Général Pinte se fait appeler autrement dans un autre univers? Suis désolé, là, pour le coup, Général, le pendule, il veut même pas répondre. Est-ce qu'il y a une capitale ou une cité de l'univers? Est-ce qu'il y a des civilisations extraterrestres qui font du commerce entre eux? Oui. Est-ce qu'ils en ont déjà fait avec la Terre? Non. Est-ce que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre? Oui. Est-ce qu'ils ont un rapport avec l'humain? Non. Est-ce que ça sert à quelque chose de leur faire une ambassade? Voilà, voilà. On est complètement à côté de la plaque, ouais. Bah a priori, il n'y a pas une meilleure version de nous-mêmes, puisque d'après le pendule de tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise décision en gros. Quelle que soit la chose que tu fasses, ça fera évoluer ton âme, quoi qu'il arrive. L'évolution de ton âme ne dépend pas de nos choix d'un point de vue humain. Ah, c'est pas con ça. Est-ce que les aliens respirent de l'oxygène? Est-ce que les aliens respirent de l'oxygène? On a un oui, mais donc certainement certains, mais peut-être pas tous. Est-ce que toutes les formes de vie dans l'univers sont carbonées? Non. Ah, c'est intéressant ça. Une nouvelle excuse pour procrastiner. Est-ce qu'on évolue plus vite selon nos choix? C'est intéressant. Est-ce qu'on évolue plus vite selon nos choix? Est-ce que notre âme évolue plus vite selon nos choix? Oui. Est-ce que notre évolution dépend de l'introspection qu'on fait lors de notre passage vers l'au-delà? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres vies à base de silice dans l'univers? A priori, oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourrait être pris en compte. Donc a priori, il n'y aurait pas que la silice pour le coup général. Donc faut se bouger un minimum quand même, oui. Est-ce que Shinto de France va rencontrer ses dieux après sa mort? Je suis désolé Shinto de France, mais a priori, c'est pas prévu. Est-ce qu'un humain ou une âme humaine peut rencontrer un dieu? Même en transe?
Donc a priori, même en transe, ce qu'on en ramène, c'est pas les dieux qu'on rencontre. Bonne question aussi. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé à celle-là. Est-ce que le pendule a été fiable durant le live? Essayez de le lancer. Est-ce que le pendule a été fiable durant le live? On ne leur a pas la réponse. Est-ce que Sylvain Durif nous dit la vérité? Oh vache. Est-ce que Raël a dit la vérité? Bon, bah au moins on est sûr d'une chose, c'est qu'a priori le pendule il est fiable. Est-ce que le pendule est fiable? Ouais, bah quand il veut pas, il veut pas. Hein. Oui, non. Ah oui, non, pas du tout même. Si ça bouge tout seul en plus. Vous pouvez pas faire ça quand t'étais attaché tout à l'heure, toi. Est-ce qu'il y a des forces en dehors de moi qui manipulent le pendule et qui répondent aux questions? Du coup, est-ce que ces forces peuvent nous donner un aperçu de leur puissance? Quand vous voulez. Donc, est-ce que ces puissances sont fiables? Est-ce que Raël a dit la vérité? Ouais, donc a priori on peut dire que c'est fiable, juste ils veulent pas qu'on leur pose la question, quoi. Ou ils veulent nous laisser dans le doute peut-être. Non, non, mais en vrai c'est ce que j'attendais aussi, hein, pour le coup. Qu'on se le dise, hein. Ou que ça s'envole quelque part au moins, mais... On peut leur demander comment ils vont. Éventuellement. Est-ce qu'on peut demander aux forces qui m'aident à manipuler le pendule comment elles vont? Non. Est-ce que c'est parce que vous allez bien quoi qu'il arrive? Oui. Est-ce que ces forces viennent de ce qu'on appelle le haut astral? Non. Est-ce que ces forces sont des êtres de la nature? Non. Est-ce que ces forces sont les défunts? Non. Est-ce que ces forces viennent de ce qu'on appelle le bas astral? Non. Est-ce que ces forces appartiennent à l'univers? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'entités?
Non. Est-ce que ces forces sont conscientes? Oui, donc il y aurait bien une conscience quand même extérieure. Mais comment tu peux être conscient sans être une entité? Ah, c'est pareil, ça me dépasse. Est-ce que ces forces se moquent de nous? Non. Est-ce qu'elles ont le choix de répondre ou non? Oui. Et du coup, est-ce que le pendule a été fiable ce soir? Est-ce qu'elles peuvent nous mentir? Est-ce que ces forces peuvent nous mentir? Est-ce que ces forces disent la vérité? Ça nous avancera pas pour le coup. Donc en gros, on a les réponses ont l'air d'être correctes, mais si on en demande la fiabilité, si c'est la vérité, ou dès qu'on remet en question en gros la fiabilité de ces forces-là, qui ne sont des consciences mais sans être des entités, il n'y a plus de réponse. Donc ouais, elles sont un peu susceptibles ces forces, hein. Est-ce que ces forces ne veulent pas nous répondre pour une bonne raison? Oui. Est-ce qu'on est capable de comprendre cette bonne raison? Non. Est-ce que le pendule est fiable? Bon, bah, au moins je sais quelle question poser la prochaine fois que je veux neutraliser le pendule. D'une grosse thèse, mais t'imagines? Bah là pour le coup le live il sera rediffusé, je le laisse sur Twitch quelques jours et puis je vais le mettre sur YouTube parce que ouais ça peut être super intéressant pour le coup. Ah ça me termine. Oui parce que d'habitude quand on prend le pendule on pose des questions, c'est des oui non, c'est des peut-être, c'est des trucs qui sont pas forcément spécialement utiles pour notre évolution. Mais là, qu'on se pose des questions qui vont plus loin et qui nous dépassent, ouais, ça nous dépasse, quoi, concrètement. Je suis un peu claqué. Je suis un peu claqué. Je pense qu'on va arrêter là. On va peut-être continuer un petit peu de blabla si vous voulez blablater encore un petit peu. Mais là, je crois qu'on s'est assez massacré le cerveau pour ce soir. Je sais pas ce que vous en dites. Ah, parce que là, clairement. Peut-être que Maxime, il a une idée au-delà. Enfin, qu'on en repapote un jour. Belle soirée à vous. Et merci d'être passé. Merci d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Bonne soirée à tous. Et puis bah pareil, vous n'hésitez pas, hein, je suis dispo sur Insta. On se revoit demain sur TikTok, demain soir sur Twitch. Je vous fais des gros bisous. Et encore merci pour cette bonne soirée et toutes ces questions. Ah ouais, ça peut être super intéressant. Et puis c'est pareil, s'il a d'autres questions, il faudra les poser. Faut essayer d'affiner ça, ça peut être cool. Et voilà. Bonne soirée à tous!
Des bisous. Prenez soin de vous.